Bonjour à tous et à toutes, je suis Aurélius et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau rétro sur un jeu de mon enfance, Docteur Muto. Alors Docteur Muto, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et ça ne m'étonnerait absolument pas, c'est un petit jeu d'action plateforme se déroulant dans un monde... détruit, qui représente un petit peu la consommation, la pollution de notre monde. Et je vais vous montrer un petit gameplay tout de suite, afin de vous donner peut-être envie d'y jouer, et qui sait de le finir, vu que moi je ne l'ai pas fini. Alors vous voyez, c'était un test son ça. Donc du coup je prends une autre save, et je vais vous laisser avec la cinématique. Le président de la planète Midway, contre le gré des experts, a décidé d'utiliser le nouveau dispositif d'énergie du Docteur Muto comme dernier recours pour mettre fin aux crises d'énergie causées par les industries burnitales. Docteur Muto a assuré que son nouveau dispositif pourrait alimenter en énergie une dizaine de planètes. Nous sommes donc ce savant fou trop classe. Quel problème pourrait-il y avoir ? Un bouton suffira à mettre fin à la crise d'énergie. 5, 4, 3, 2, 1. Oups. Et c'est de là que va partir notre héros, le Docteur Muto. Quelque chose de terrible s'est produit. Mon dispositif a détruit la planète Midway. Alors vous voyez, Midway, une petite référence, parce que Midway, c'est les personnes qui ont fait le jeu. Je dois recréer un géniteur pour reconstruire... Non, je dois créer un géniteur pour reconstruire la planète. Les éléments nécessaires à la création du géniteur se trouvent dans les quatre mondes des industries burnitales. Et voilà, donc en gros le but c'est de ramasser ces quatre éléments. Enfin, au début vous n'aurez qu'un élément à ramasser. Ce seront ces... Alors je ne sais pas trop ce que c'est, je dirais que ce sont des atomes. Au fil des niveaux, vous aurez alors des écrous verts aussi à ramasser en bas à droite. Et lorsqu'il y aura de l'ADN et des espèces de boules vertes, ça veut dire qu'il y aura, ce sera un niveau avec boss. Et chaque ADN vous permettra de vous changer en un animal. Donc on va commencer. Et première chose que l'on remarque, c'est que pour de la GBA, les musiques sont superbes. On s'y prend tout de suite. Donc vous voyez Docteur Muto ici, bouton A pour sauter. Bouton B pour utiliser alors l'attaque, je dirais que c'est un laser à courte distance. Avec L, vous voyez que je peux changer de mon apparence, donc je peux devenir un rat pour l'instant. Donc c'est L pour sélectionner et R pour se transformer. Je deviens un rat, donc du coup j'ai de nouvelles caractéristiques. Je peux sauter pas plus haut, mais j'ai une petite attaque à distance avec ma queue. Donc du coup je vais revenir, et donc on doit récupérer ceci, ces espèces d'atomes. Alors seulement dans le jeu, je vais faire pause. Dans le jeu, vous voyez, on vous a dit qu'il faut en récupérer au moins 10. Sachant que le 100% est marqué entre parenthèses, c'est 20. Donc du coup, quand j'étais gamin, j'étais déjà assez complétionniste. On va dire, je pense que ça se dit comme ça. Et j'ai essayé de récupérer à peu près tout. Donc là, vous voyez, et le nouvel élément de gameplay de la glace. Avec une nouvelle animation, on voit Docteur Muto qui glisse. Patinage, c'est beau. Alors vous voyez déjà ces caisses là. Pour les détruire, ces caisses, ce sont des caisses normales. Un coup, une attaque et puis c'est bon. Après il y aura des caisses bleues où il faudra utiliser un élément spécial du jeu pour les détruire. Seulement cet élément sera... vous ne pourrez le contrôler que dans un temps limité. Là ce sont des plateformes comme vous le voyez qui vous permettent de faire ça. Alors évidemment quand vous enlevez une plateforme, elle revient automatiquement à son état de départ. Ah, et vous me dites pourquoi je peux pas passer là, parce que simplement cette porte ne peut pas s'ouvrir pour l'instant, c'est rouge. Voilà, comme l'indique si bien le bruit. Et pour la GBA, c'est très très beau, je trouve. Voilà, là aussi c'est fermé. Donc pour ouvrir ces portes, il faudra utiliser des passes ou des cartes. Enfin, l'arrière-plan, regardez l'arrière-plan. Il est très bien fait cet arrière-plan. Moi je suis subjugué. C'est très très beau. Puis regardez-moi ces décors, c'est magnifique. Alors là vous voyez, hop. Pour là c'est une indication pour changer. Hop, se mettre en souris, appuyer sur O pour rentrer. Et nous voici dans un nouveau décor. Alors ici on peut seulement, je recommande chaudement même,
de ne jamais vous mettre en muto, sauf si c'est vraiment conseillé. Alors je crois qu'on... voyez, par exemple là, je peux pas parce que mon docteur muto est trop petit. Mais si je me fous là, je suis bloqué. Vous voyez, je suis bloqué, je me mets droite gauche. Alors que si je me m'en souris, je suis débloqué. Là, ceci, c'est un... c'est un tremplin. Alors on peut, je peux soit l'utiliser en muto, soit en souris. Seulement, il est possible... alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est possible, si vous mettez au bout du tremplin, de ne pas sauter. C'est amusant. Alors ça, ces pics ne vous toucheront pas, c'est le décor simple. Allez, ouais, alors ça, j'ai jamais compris. C'est un petit problème de texture, pas de texture, mais de hitbox. C'est drôle. Alors là, c'est évidemment ça, on saute, ça fait mal. Alors ça, c'était un saut assez... assez perfect à faire, j'ai envie de dire. Hop, un coup de queue pour détruire la caisse. Alors là, ceci. Ça, si vous en verrez tout le jeu, ce sont des interrupteurs qui débloquent, qui déverrouillent des portes ou d'autres d'autres fonctions dans le niveau. Là, je suis déjà à 18, 19, 19 éléments. Vous voyez, le niveau 1 se finit en 5 minutes en renant un petit peu. Et voilà, là j'ai le 100%, j'en ai 20. Et je gagne un cœur. Alors là, ceci, tout simplement, vous faites B en muto normal. Et ça déverrouille les portes. Et ça ouvre les portes. Alors par contre, on peut faire ça aussi, c'est drôle. Hop là, muto se fait écraser. Lalala, c'est drôle. Voilà, on passe sur la porte. Et ceci est un, on va dire, un téléporteur qui vous permet de finir le niveau. Voilà. Sauvegarde du jeu. Voilà. Alors par contre, ne vous mettra pas vos stats du jeu. Bienvenue à Toltec. C'est le dépotoir toxique des industries burnitales. Trouvez la clé du dépôt. Alors là, vous voyez, c'est un peu plus complexe. Il y a 25 boules à ramasser et une sphère verte. Ouais, c'est ça. Alors déjà, le niveau change complètement. Parce que, ouais, déjà premier piège, les tapettes à mouche, que vous soyez en humain ou en souris, ça vous fait du mal. Alors ceci là, ce que vous voyez, c'est pour vous redonner de la santé. Vous voyez, je vais perdre exprès un peu de vie. Voilà, j'ai perdu quasiment toute ma vie. Et là, je prends ça, ça me remet un cœur. Je vais me remettre en normal par contre. Bon là, il y a de l'acide. Je me souviens quand j'étais gamin, je renais tellement le jeu. Là, ce sont des chiens. Des ennemis. Très simple. Alors là, vous voyez, un sous-niveau. Je vais d'abord prendre tout ce qu'il y a là. Et vous montrer aussi un autre gameplay. Normalement, ça devrait être juste ici. Voilà, ceci. Alors ceci, c'est un espèce de... c'est une espèce de bombe. Vous voyez, je le prends et il y a un timer qui s'affiche à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à la fin du décompte du timer, je ne suis pas où il faut, je le libère automatiquement, mais il réapparaît. Donc du coup je le prends. Si je rappuie sur B, je lâche et ça me permet de détruire ces caisses bleues. Ces caisses bleues sont légèrement différentes vu qu'elles nécessitent cet objet. Comme vous l'aurez compris. Voilà. Du coup là je pense que j'ai un peu loin. Je vais revenir juste avant. Alors je vais pas vous montrer tout le niveau. Enfin si, je vais montrer là jusqu'à la fin de niveau 2. Puis après je crois que c'est encore un autre niveau. Et après c'est le niveau du boss. Le niveau du boss étant extrêmement long et complexe. Je vous laisserai la surprise pour battre le boss. Un peu tremplin. Hop, l'esquive de la tapette à mouche. De la tapette à souris. On prend les bubules. Là j'en ai déjà 25, donc je peux... normalement si on était dans une run à 25, j'aurais complètement fini. Sauf qu'il me faut au moins la boule. La boule magique. Voilà, c'est des lasers, évidemment, ça fait mal. Alors là, normalement, il me semble que je vais récupérer... voilà, la carte. La carte qui me permettra
de faire des choses incroyables. Voilà, j'ai une carte. Et cette carte va me permettre de faire des trucs inespérés, voire totalement incroyables. Là, je sors. Je m'en mets en normal. Et donc là, là y a, c'est caché ici. Il y a une caisse avec une bouboule. Donc là, on évite tout ça. Ah, j'ai encore de bons souvenirs de jeu en fait. Donc là, vous voyez, il faut suivre le mouvement, il faut suivre le mouvement. C'est drôle. Un petit peu de vie et on redescend. Tranquille. Alors évidemment, docteur, en même temps, ne peut pas mourir avec les dégâts de chute. Hein. J'aurais pu sauter de là où j'étais, je n'aurais pris aucun dégât de chute. De la vie. La bouboule qui me permet d'avoir le 50. Voilà, ça c'était des ennemis nuls. Et hop, j'ouvre, j'ai la boule. Et je saute, voilà. Je me souviens combien là, 11 minutes de jeu. Je sais pas, est-ce que je vous en montre un petit peu plus. Après c'est le même niveau qui se répète par contre. Ouais, c'est le même niveau qui se répète en un peu plus complexe. Vous savez quoi, je vais vous faire un gros rétro dessus. Je vais juste faire le monde 1. Ça va peut-être me prendre une petite demi-heure. Voilà. Alors là, c'est un niveau assez complexe là. Vu que vous voyez, il faut aller automatiquement ici et on va se balader dans des égouts. Et ces égouts en fait c'est ma hantise perso. Parce que c'est ultra dur, c'est labyrinthique. Faut essayer de pas se perdre, faire les premiers niveaux des égouts, on va dire. Hop, j'active ça pour ouvrir des portes. La BO de ce jeu est vraiment géniale, je l'adore, perso. Je vous conseille vraiment de vous y mettre à ce jeu, il est bien fait pour l'époque. Peut-être un des meilleurs jeux, une des perles de la GBA. Alors par contre ceci, voilà. Ça c'est ma hantise. Ces putains de tuyaux. Vous les touchez, vous les frôlez. Vous prenez des... Regardez, je les frôle et bam. Un demi-cœur. Et le pire je crois c'est qu'il faut jouer de vitesse parce qu'il y a des caisses spéciales. Voilà. Il y a des caisses spéciales comme ça à les détruire. Et je crois qu'il y en a deux ou trois. Donc là je vous déconseille de runner. Le temps est avec nous. La temporisation. Que demande le peuple. Voilà. Ah voilà. Alors là c'est aussi un autre truc ça. Ah j'ai gagné une vie aussi. Ceci est une sorte de réceptacle où il faut amener la boule magique, on va appeler ça. Dedans pour activer certains objets, ce qui va activer je pense pas l'escalator mais la plateforme mouvante. Oula, j'ai eu chaud. Ah, ça va activer ceci. Je me demande s'il y a une run de jeu quand même. Je pense qu'en 2 heures et quelques en 1% ça passe mais large. Ah, je me suis pris un dégât. Je profite des frames. Objective. Je crois que le pire dans ce niveau, c'est la troisième phase. Enfin, troisième phase, c'est troisième partie plutôt. Ah putain, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire. Ça me semblait logique. Là, hop, je retourne. Ouais, des petits trucs là, juste pour faire chier. Après, le niveau 4 sera sans doute beaucoup plus long. Je pense qu'il va durer au moins un petit quart d'heure. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Par contre, le temps de réaction pour qu'il se retourne en plein saut est assez énorme. Je ne le remarque qu'à l'instant. Alors là, non, pas moyen d'en sauter deux à la fois, c'est... Ouah, c'est du... Ouah, c'est du pixel perfect. Limite.
Là je sors, je redeviens Muto et je vais déjà vous montrer pourquoi ce niveau est horrible. Parce qu'il va falloir jouer comment dire, pas les chevaliers mais plutôt aux trampolines assez souvent. Il y a pas mal de choses marrantes avec les trampolines. Voilà, et ça c'est, par contre c'est pas drôle. Ça c'est vraiment lourd. Déjà première chose à faire, virer tous les ennemis possible. Essayez de vous repérer dans tout ça. Et voilà, et surtout pas tomber. C'est la règle. Enfin, c'est surtout très recommandé. Aïe. Merde. Je vois plus où je vais. La boule magique et l'interrupteur là à aller détruire. Je sais qu'il y a aussi un autre truc. Ouais, c'est sec pour voir ses stats. Donc ça va, j'ai pas perdu trop de vie. Je vais essayer de poutrer l'ennemi là-haut. Enfin, surtout le chien aussi. Là, vous voyez, il y en a plein. Il y en a plein, vraiment. Beaucoup. Normalement, ça, je peux l'atteindre. Bon, je rends bien. Voilà. Tranquillité d'un homme, la maîtrise. Aussi parce que je connais le jeu, mais c'est pas la question. Voilà, ça, c'est chiant. Heureusement, il y a de la vie. Et le dernier, il est tout en bas, le salaud. J'ai la boule magique. Bientôt, j'aurai la barre, évidemment. Alors, on va continuer à aller désinguer celui-ci. Ah, celui-là. Ah bah, il y a une boule magique ici. Surprise! Ah, il y en a un autre là-bas. Du coup, je sais plus où je devais aller. Ah, si. Fallait que j'aille brouiller un truc là-bas. Ah, c'est vraiment pas facile par contre de se repérer. Voilà. Là, je déverrouille des trucs. Alors là, je sais que je peux y aller, mais en faisant un saut comme ça, voilà. Mais il faut que je retombe, mais quasiment pas vite. Il faut que je retombe quasiment pas vite, ou alors faut que je me laisse tomber. Ouais, non, je me laissais tomber un jour. Là, il n'y a plus rien normalement. Non. Là-bas, il y a un truc, il me semble. Ouais, il y a ça. Et là, putain, je l'ai eu. Et voilà le saut pixel perfect. Oh, sauvé. 49. Putain, il m'en manque un seul là. Il me manque une seule boule. Ah, ça doit être un des endroits que j'ai pas visité. Et elle est là-bas. Elle est là-bas, c'est obligé. Voilà. Elle passe. Et je suis à 50, j'ai gagné une vie. Voilà, quand on va récupérer tout ça, vous gagnez une vie. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, je peux quitter le niveau tranquille et on va s'attaquer au niveau final avec le premier boss. Niveau qui sera assez long. Donc, je vous conseille de suite d'aller chercher de quoi manger. Ça va être génial. Allez, hop, niveau 3, vaincre Vini. Le boss. Alors, première chose à faire ici. Ah, j'ai gagné 5 d'un coup. Première chose à faire ici, faire en sorte que ces plateformes soient désélectrifiées. Parce que sinon, je m'en prends plein la gueule. Je pense qu'en run, il y a tellement moyen de ne pas le faire comme ça. Oh! Calme-toi, je vais vous le blesser. Déjà, je prends ça. Première chose à faire, ça, c'est bon. Deuxième chose, activer l'interrupteur pour descendre. Que je vais faire d'abord, c'est tuer les ennemis. Et c'est en ces plateformes, c'est pas du parkour, mais voilà, c'est chiant. Faut être vraiment, ah putain,
Ah, saleté, bordel. C'est sauter et ensuite direction là. Pour plus de... de précision, j'ai envie de dire. Voilà, et là, il y a un truc avec une caisse bleue. Et des chiens. Mais ça, je m'en serais douté. Il y en a 60, n'est-ce pas? Il y en a 50, voilà, à prendre. Ça va être long. Donc du coup, allez, j'y crois à mort. 25 secondes, ça va le faire. Ah putain, cette animation, il faut attendre qu'il ait fini de sauter. Mais vous voyez, une petite animation. 7 secondes. Ça va pas le faire. 3, 2, 1. Je lâche, je le suis. Parfait. Donc là, j'ai déverrouillé l'interrupteur en bas. Enfin, l'interrupteur, la plateforme en bas. Voilà. Hop là, là, il n'y a rien. Parfait. Donc je peux me casser. S'il y a ça, mais bon. Je peux prendre le temps de le tuer. Vu que c'est bon. Le rat fait quand même des sauts assez longs. Donc qu'est-ce que c'est une optimisation en run? C'est à voir. Là je sens que le coup de pute en fait. Ah non. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le rat ici. Vu qu'il saute assez haut. Oh. Ah dommage, je voulais one try no damage. Dommage. Oh, putain, il y a une boule, j'espère. Normalement, il y a une boule dans ce niveau et celui-là est un peu grand et chiant. Ouais, là, il y a une boule à avoir. Et aussi, voilà, oh, putain. Donc là, je vais déjà faire en bas. Aïe. J'ai tué tout le monde, par contre. J'ai plus les réflexes. Oui, je me prends des dommages, mais bon. J'ai envie de dire YOLO. Même première caisse, parfait. 25 secondes pour la boule. Oula, fallait faire n'importe quoi. Et en fait, quand on marche, quand on saute et qu'on marche, l'animation de quand il se rétablit est annulée. Vous voyez? Ouais, c'est totalement annulé ça. Ça c'est cool, ça c'est bon à savoir. Ok, ça c'est n'importe quoi par contre. Allez, je la prends de justesse et je la lâche et je prends. Voilà, bah génial. Tous des goupilles, super bien. Je suis à 27. Ça ne peut qu'aller. Je pense qu'il y a un truc là-bas perso. Voilà, voilà. Putain, juste au-dessus. C'était nul. Pardon. Là, il y a un ennemi, je m'en serais douté. Voilà, là, il faut activer un truc en haut. Alors déjà, je vais y aller sans la, sans le truc orange. Je pense que il y a un truc à faire avec ce jeu. Un let's play rapide dessus. Je pense qu'en 4 heures même pas, ça devrait être fini. Je coupe ça en 4 parties pour chaque monde. Et puis c'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être intéressant. N'oubliez pas aussi, je le rappelle à chaque fois, de me proposer des jeux rétro, des fan games et tout ça. Et puis qui sait, peut-être que je le ferai. Mais en général, je le fais. Et même dans la cible, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je pense que celui-là il sera dans ma liste des fan games rapides. Des fan games, oui, des let's play rapides. Ah c'est bien ça. Ouais, j'aimais bien. Bon, alors là par contre, sauter. Alors par contre, il y a un autre truc que j'ai pas parlé, c'est que là quand je reviens avec la boule avec le truc orange, c'est que je dois vraiment me coller ici parce que si je me mets juste là,
qu'on pensait peut-être que ça a traversé le truc là, vu que ça a déjà été activé. Et ben non, ça c'est un piège. Je vais laisser un petit peu le scrolling s'en remettre. Oh putain, ce jeu, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu. Normalement c'est par là. Voilà, je crois que j'ai oublié la boule magique. Boule magique. Et bientôt j'aurai un écrou et un nouvel ADN. Ben voilà. Allez, la dernière caisse et puis on continue. Ouh, la justesse d'un homme. Cette justesse, on se saute. Tac, je le prends et c'est la dernière normalement. Non, c'est tout à fait la dernière d'ailleurs. Et voilà, de la vie parce que c'est bon. Bon, dans l'acide, c'est pas grave là sinon. J'ai de quoi me remettre de la vie au fil du jeu. Hein. Ah voilà, ça c'est chiant. Ça vous fait mal. Je pense qu'il y a tellement moyen de le pixel perfect ce saut. Sans prendre un dommage, d'accord. Hop, je vais au-dessus. Hop là. Hop là. Ouh, c'était chaud. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. J'avais tellement moyen de le faire, mais pixel perfect. Je vais quand même remonter en, par là. Voilà. J'ai oublié un truc. Juste ici. Ce niveau est très labyrinthique. Pour vous dire. C'est le niveau où... bah, voilà. Bah, déjà, là, c'est la suite du niveau. Hein. Je vais pas y aller tout de suite. Tac, de la vie, parce que c'est bon la vie. On le dira jamais assez. La vie, c'est important. Je continuerai quand même au bout du tuyau. Ah ouais, tellement moyen de gagner du temps en annulant le recovery du saut. Bon, bah, là, je me prends masse de dégâts à cause de ça. C'est chiant. Et donc là normalement c'est voilà. Oui, il y a un truc là, je m'en souviens. Hop, je meurs non, pas besoin. Ouais, c'est la boule magique. Hop, le petit salto en rat. Trop swag. Enfin le petit backflip plutôt. Oh, c'est bon, j'ai toujours 5 3 4. Ouais, j'ai toujours 6 tiers, c'est bon. Non, c'est là qu'il faut descendre. Ah, je remets là. Pour le tuer, oui, bah touche-moi, bien sûr, évidemment. J'aurais te dire, comme chez toi. Des bisous. Ah là, je sens qu'on se rapproche bientôt du boss. Ah, il y a une boule magique. Il y a la boule magique ici. Oh putain, oui. Alors là, si je saute, c'est la mort. Si je saute, c'est totalement la mort, par contre, qui m'attend. Oh putain, je la sens mal, cette zone. Je la sens tellement mal, cette zone, je vous le cache tellement pas. Ah, ça va. Je vais vous le dire honnêtement, c'est ma zone que je hais le plus. Enfin, c'est la partie de la zone que je déteste. Après, il y a ça, ça. Voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, par contre, là, c'est la mort. Voilà. Là, je vais prendre masse de vie. Du coup... je vais faire ça pour pouvoir sauter un poil plus loin et gagner du temps. Putain, il me reste encore 3 trucs à détruire. Yeah, je l'ai 50, donc là je vais quand même reprendre la vie. Parce que la vie, c'est important. Je ne le dirai jamais assez souvent, mais la vie, c'est important. Allez, quoi que non. Je vais activer le truc. Et puis, c'est bon.
J'ai 6 coeurs, le boss, je me souviens de comment on le bat. Oh, ce boss, oui. Le premier boss que j'ai fait dans ce jeu. Je crois qu'on a passé 2 heures avec mon frère avant de trouver comment faut faire. Et comme par hasard, c'est moi qui ai trouvé. Parce que je passais ma vie dessus. C'est génial. Ah non, c'est là. Ah, c'est ça. Merde alors. Ah, je dois activer une porte là-bas. Je parie que j'ai activé une porte. Ah, j'ai arrêté ça. Oui, d'accord. Oh, ta gueule. Ouais, j'ai arrêté la porte là. Ok. Ok, ok. Oh putain. Ça, c'était le saut perfect. Donc là, c'est la zone du boss. On va s'arrêter là après. Après, lui avoir défoncé sa mère et ça passe pas, bordel. Je voulais essayer un truc classe. Oh putain, oh c'était laid. Oh c'est moche. Ah putain. Ah c'est tellement de la merde ce que je fais là. Là il passe, voilà, là il passe tellement. Allez. Voilà, et on est ready pour le boss. Le boss, attention, mais change de musique. Voilà. Et le boss, si j'arrive à vous le montrer, il est quelque part. Ce boss, en fait, il y a un moyen ultra simple de le faire. Il a des patterns fixes. Voilà, il est là. Ceci est le boss. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Aïe. Voilà, le boss là. Hop. En soi, vous faites ça, vous revenez en muto et vous le tuez. Ça barre de vite en bas à droite pour ceux qui n'auraient pas vu. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il y a des safe spots un petit peu partout, mais moi je vous conseille d'attendre en bas, ne jamais aller le chercher en hauteur. C'est un conseil que je vous recommande fortement d'utiliser. Voilà. Alors je pense que en Merde. En gérant bien en 5 voire 6 passages, il est mort. Mais c'est vraiment en gérant bien. Après la RNG, tout ça, vous connaissez. Reviens là, sac à merde. Il est où? Il est où ce sac à merde? Il était là-bas. Putain, il est... Surprise de risque! La prise de risque! Meurt des 7 dans notre souffrance! Merde! Oh putain! Oh c'est débile! Allez, cinquième passage. Et le dernier, ça devrait être le bon. Si j'avais pas fait de la merde, ça aurait été le bon. Reviens là, sac à merde. Aïe, merde. Il passe. Il passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe asiatique? Et il passe tellement. Donc là, c'est l'ADN. Hop là, nouvel ADN. Je peux me transformer, pas pour l'instant. Et l'écrou, le petit backflip qui va bien. Et là maintenant, faut que je monte ou que je me... Non, faut que je monte, ouais. Donc là, je dois aller à droite. Voilà, et S-Blat téléporteur. Et voilà, monde 1 terminé. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. N'oubliez pas, comme d'habitude, ah voilà. Félicitations, docteur, vous avez vaincu Vini. Vous possédez maintenant l'ADN pour vous transformer en poisson. Génial. Bienvenue à Akum, siège de l'infâme compagnie de forgeage Burn Oil. Ici, l'énergie est fournie en échange d'espèces. Voilà. Changement de suite de décor et d'ambiance. Bien sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce truc jusqu'au bout. Ce serait trop jusqu'au bout. Je vous conseille d'y jouer. Le lien pour NDS Run Player
gratuit est dans la description. Envoyez-moi vos jeux rétro, je les testerai et je les montrerai. Merci à tous d'avoir suivi. Regardez les autres vidéos, likez les vidéos, les playlists, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'aller sur mon Twitter en basraus1. Bon jeu et à la prochaine.